Bismillah. Comme un arc est bandé, dit Herigel à son maître Zen, il arrive un moment où, si je ne tire pas sur le champ, j'ai l'impression de m'essouffler. Tant que tu t'efforceras de provoquer le moment de décocher ta flèche, tu n'apprendras pas l'art des archers, rétorqua le maître. La main qui bande l'arc doit s'ouvrir, telle la main d'un enfant, ce qui parfois trouble la précision du tir. C'est la volonté trop vive de l'archer. Un guerrier de la lumière pense, quelquefois, « Ce que je ne ferai pas ne sera pas fait. » Il n'en va pas ainsi. Il doit agir, mais il doit aussi laisser l'univers opérer au moment voulu.